l'enfant caché en toi. Hey, hey, salut! C'est Plume Noire. Aujourd'hui, on va dans un studio d'enregistrement chez Nono et on va voir le tournage d'un petit clip pour Les Cœurs Éléphants. Dans le noir, les couleurs s'enfuient. Coucou, qui es-tu? Bah, je suis Sophie Pastor, la présidente de l'association des Cœurs Éléphants. Et c'est quoi les Cœurs Éléphants? Bah, c'est une bande de copains qui se retrouvent et qui veut faire changer le regard sur le handicap, et surtout le handicap pour les enfants. Et pour ça, bah, on fait des manifestations, on fait des concerts, et on reverse les bénéfices à des enfants en situation de handicap. Vous êtes en train de faire un album? Ouais, il s'appellera Couleur Éléphant. Et c'est quoi la couleur éléphant? Mais c'est la question qu'on se pose dans l'album. Quelle pourrait être la couleur éléphant? D'accord. C'est un état d'esprit, tu vois. Alors aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle l'éponyme de l'album. C'est la chanson Couleur éléphant. On réunit tous les groupes du Beacherland et on fait une chanson commune et qui s'appelle Couleur éléphant. C'est Marine qui a écrit la chanson. Donc dans cette chanson, on parle un peu de nous. C'est ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on fonctionne chez les Cœurs Éléphants. Donc on a mis tout ça par écrit et puis Marine et Romain, ils l'ont mis en musique. Voilà. Je suis Marine Krebs, donc je suis la sœur de Romain du groupe Verveinement, qui est aussi partie des Cœurs Éléphants. On a fait ce projet d'album en fait pour réunir beaucoup de monde parce que bah, cette année, la Nuit des Couleurs, bah, c'est un peu compliqué. Donc on a vraiment eu envie de se réunir quand même, mais différemment. On a eu cette idée d'album avec les Cœurs Éléphants et on s'est dit qu'on va réunir ben voilà, tous les artistes du coin avec qui on a déjà pu, enfin qui nous soutiennent, qui nous suivent. Et finalement, de fil en aiguille, plein d'autres gens sont rajoutés à cette idée, à cet album. Et de là est née ben, Couleur Éléphant et la chanson Couleur Éléphant. Couleur éléphant, on l'a composé à plusieurs mains, à plusieurs têtes finalement. Donc il y a eu Romain, Cindy, Sophie et moi. On a commencé à mettre des idées, à mettre des paroles ensemble. Et puis on a dégagé finalement quelque chose d'un petit peu commun. C'est un petit enfant qui est en nous, un petit éléphant qui est en nous et qui a envie de sortir, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de se libérer, qui a envie d'être vivant, qui veut vraiment vivre pleinement et vivre avec les autres parce qu'ensemble on est vivant. Et donc voilà, cette chanson retrace vraiment, je pense, tout ce qu'il y a eu dans cet album, avec toute l'énergie, toutes les couleurs qu'il y a eu dans cet album, toutes les différentes harmonies qu'il y a dans cet album. Je pense que c'est ça. Je suis Romain Krebs. Alors moi, j'ai écrit la chanson Couleur éléphant avec Marine, ma sœur. On a donc composé la chanson, Marine a écrit en collaboration avec les Cœurs Éléphants, et puis j'ai joué la guitare sur le morceau. Ça fait plaisir de voir tous les chanteurs ajouter leur voix sur la chanson qu'on a écrite et ça fait bizarre, mais ça fait plaisir de voir que le projet arrive au bout et que ça donne un résultat juste génial. Ensemble, restons unis et colorons la vie. Ah, on est chez Nono, ça c'était la belle rencontre. On a rencontré Nono pour faire cet album et c'était vraiment une rencontre magique. C'est quelqu'un de mais super, c'est juste, j'ai pas de mots. C'est un génie du son. Vraiment, c'est un génie tout court, ouais. Alors, et la Nuit des Couleurs, on peut en parler ou c'est quoi? La Nuit des Couleurs, en général, a lieu à la mi-juin. Et cette année, bon, c'est un peu râpé, donc on s'est dit, on va faire un album qui sortira à la place de la Nuit des Couleurs, c'est-à-dire le 12 juin. Toi, le cœur est le fond. Au fond de ton cœur, montre-nous tes couleurs. Toi, le cœur éléphant, éveille doucement tes rêves d'enfant, tes couleurs éléphant. Toi, le cœur éléphant. Couleur éléphant. Couleur éléphant. La couleur, c'est tout, c'est multicolore en fait.